On fait le truc pour la préparation après. Alors, nous allons mélanger un sucre, une consistance idéale pour les fumigènes. Voilà. Alors, nous allons procéder à deux trucs. Nous allons mettre deux doses de sucre, c'est-à-dire 80 grammes. Deux. Allez. Alors, les 80, pour ceux qui ne savent pas, ça se trouve là. Là. Non, mais c'est la recette pour les abrutis, pour ceux qui savent pas. Ah, d'accord. Tiens. Qu'est-ce que vous avez ? Merci. Tout doucement le sucre, parce qu'il peut exploser. Ah, surtout. Non. Et voilà, 80 grammes de sucre. C'est blanc. Auquel nous allons rajouter. Pierre en froid. Surtout, tu sous-titrerais. 120 grammes. Donc, pour ceux qui ne savent pas leur maths, 80 plus 120 égale 200. 200. 1, 100. 2, 200. Allez, ça va nous arriver là. La cuisine pour les abrutis. Elle n'arrive pas, non. Toujours. Tout doucement. Tout doucement. Après, nous prenons le mélange. Nous le versons. Alors, ça nous donne ceci. Dans une casserole. C'est-à-dire, portez un peu doux, bien sûr. 3-4 minutes. On appuie sur le bouton pour démarrer. Voilà. Se munir d'une cuillère à soupe. De compétition, de compétition, de marque Babou. Et oui, surtout de couleur bleue, sinon ça ne fonctionne pas. Et là, vous prenez votre manche de casserole. Et allez, vous êtes prêts. Et vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Pendant ce temps, la préparation des tubes. Se munir de. Pour le pécu, utilisé hein, bien sûr, pour les abrutis, certainement. Avec le papier des portes. Voilà. Tour de magie, nous arriverons à ce résultat. Oh, wow. C'est beau. Que nous allons enrouler. Bon, le pécu ici, c'est en option. Que nous allons enrouler soigneusement pour pouvoir. C'est que ça. C'est ça quoi, au fait de faire ça? Durcir? Ouais, ouais. Ouais, durcir. Ouais, ouais. Faire beau, quoi. Non, pour fumer. Pour fumer. Voilà, avec délicatesse, toujours. Voilà. Se munir d'un ciseau de préférence rouge. De compétition. De compétition, ça coûte mieux. Surtout carton. Voilà. Bonne qualité. Pas prendre le PQ de première prix. Ouais. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, toujours moi avec mon manche de casserole, ma cuillère de compétition de chez Babou. Et le même truc, tourner, tourner, tourner. Tourner, 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 tourner. Tourner, tourner. Je ne trouve pas une seule photo. Un moment. Donc un peu de patience tant que le sucre fond. Mais toujours mélanger, surtout, toujours mélanger. Jamais fait de publicité avant. Hein. Pour ça le stress et tout. Comprenez? Vraiment difficile. Hein. Surtout en direct.
Vous voyez, les aisselles, ils sont... Ça transpire. Ah, là nous voyons que le sucre commence à cristalliser. Un petit morceau de sucre. Ah non, il se cristallise. Voilà. Nous touillons. Par contre, mon collègue doit préparer quelque chose. Oui, je finis mon petit truc. Alors ceci est un ingrédient secret fait d'une forme chimique depuis... Non, ceci. Ceci. Bah ça, ça c'est pas secret, il y a des roues de PQ. Tout le monde en a chez eux. On l'oublie tout à l'heure. Donc ceci, bah ça, c'est secret. On l'a fabriqué tous les deux. Ça nous a mis 5 ans à fabriquer ça. 5 ans. Versez une cuillère de 25 ml. On peut s'en prendre une cuillère. On verse comme ça. Et notre ingrédient secret va nous permettre de faire fumer le fumigène le plus longtemps possible. Dès que mon collègue va le dire, je verse. Voilà. Donc là, nous voyons que le sucre commence à fondre. Donc on obtient un mélange presque roux, toujours mélangé, pour que ça ressemble à du beurre. Donc là, nous voyons la différence qu'il y a eu depuis le départ. Bon. Et là, nous voyons le... Faut y aller, hein. Jusqu'à temps qu'on a une mixture style compote de pommes. Pas ne manger, surtout pas. Vraiment pas bon, je pense.